Bonjour chers amis sportifs, voici donc, je suis chez un des plus grands champions de notre province, à Ostacker, chers amis sportifs. Vous le connaissez bien sûr, le grand champion Romain Leguiste et Madame Leguiste. Ici, donc à Ostacker, chez Romain Leguiste, on retrouve encore le sang le plus pur, le plus rouge, Jansen de Arne, donc, chers amis sportifs. Croisé, entre-temps, un peu croisé avec la lignée de la Fineke de Flore Vervoort. Donc, ici, vous voyez trois pigeons, chers amis sportifs, une femelle. Qui a des petits jeunes, vous voyez qu'elle est nerveuse, un peu nerveuse. Elle faisait donc le premier provincial de Blois en 2009, premier provincial de Blois. Et cela donc contre 1073 pigeons. Le mâle, le noir écaillé que madame vous montre ici, faisait le deuxième provincial sur le même concours. Le pigeon que moi je vous montre, il fait le premier provincial de Blois en 2008. Donc Blois, c'est vraiment le concours de Romain Leguiste, on peut dire. Le même jour, en 2008, Romain Leguiste faisait premier provincial contre 1069 vieux, deuxième provincial contre 1480 jeunes, donc pigeonneaux, et deuxième provincial contre 1495 yearling, donc pigeons d'un an. Il avait donc trois pigeons. En même temps arrivé à la maison. Donc vraiment une prestation, un résultat exceptionnel, on peut dire. En 2009, Romain Leguiste fait aussi le deuxième national de Argenton dans la zone A contre 3692 vieux pigeons. Donc voici, je suis quand même un peu fier d'être ici à côté d'un grand champion comme Romain Leguiste et aussi très content, très ravi de prendre en main, d'avoir la chance de prendre en main les pigeons Jansen, là, vraiment pur, pur, pur ici qu'on retrouve encore chez lui. Et qui a été la base, qui a formé la base de grands exploits. Sur d'autres pigeonniers, d'autres colonies comme Jan van de Pasch par exemple, le grand champion hollandais, grand champion olympique, chers amis sportifs, Jan van de Pasch, où on retrouve aussi pour une très grande partie quand même les pigeons de Romain Leguiste. Et le fameux couple des pigeons qui proviennent donc du fameux couple de base en or, Witoch Jansen de 79. Croisé, accouplé avec la Büffeltje de l'année 81. Voilà, chers amis sportifs, vous voyez, des pigeons avec caractère. Donc, il ne faut pas être étonné que M. Leguiste y fait encore des exploits, comme il fait en 2009, 2008 et depuis plus que 40 ans.